Si vous avez eu des parents prudents, ils vous ont peut-être dit qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, écrire son nom de famille sur Internet. Et effectivement, ça sonne comme une bonne idée. Si votre futur recruteur tape votre nom dans Google et vous voit arraché à votre asso étudiante ou tombe sur les postes gênants que vous faisiez au collège, c'est pas terrible. Vous pouvez toujours tenter de les faire supprimer. Mais comme on dit, Internet n'oublie jamais. Il y a tellement d'outils pour retrouver des contenus censés avoir disparu qu'il est plutôt prudent de prendre un maximum de précautions. Notamment, dès que possible, utiliser un pseudo, ou au moins les initiales à la place de son nom de famille. Et effectivement, c'était une bonne idée. À une certaine époque d'Internet, à un certain stade de la technologie. Ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est que depuis relativement récemment, c'est devenu parfaitement inutile. Et que s'il reste quelques photos, dossiers de vous sur Internet, vous avez du souci à vous faire. Vous l'avez compris, on va parler enquête en partenariat avec Proton. Proton, c'est un ensemble de services multiplateformes qui sont très réputés et précurseurs sur les technologies liées à la protection de la vie privée. Leur produit phare, c'est le fameux Proton Mail, mais ils ont aussi Proton VPN et plus récemment Proton Calendar et Proton Drive. Leurs outils sont open source, chiffrés de bout en bout, avec une architecture zéro access, ce qui veut dire qu'il leur est littéralement impossible d'accéder à vos mails. Les serveurs sont en Suisse pour bénéficier du cadre légal très favorable sur la protection des données. Vraiment, l'UX est incroyable, pas une pub. Regardez-moi comme c'est clean. L'offre gratuite est déjà top et si vous aimez, vous pouvez prendre Proton Unlimited avec tout ça pour moins de 10 euros par mois. Toute cette histoire a commencé il y a quelques mois. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube qui, en apparence, pouvait sembler parfaitement anodine. J'y commande des disques durs en masse sur Le Bon Coin pour en trouver qui sont mal formatés et desquels on peut extraire des vieilles photos et fichiers intéressants. Comme l'idée c'était de faire un peu de prévention, on s'était mis en tête d'utiliser ces sources pour mener des petites enquêtes sur Internet sur les propriétaires des disques, histoire de simuler ce que pourraient faire des cybercriminels dans un débarras d'entreprise par exemple. Sauf que, on n'a rien trouvé. Dans le sens où, après des heures de recherche, on n'avait même pas son prénom. Comment vous dire que je commençais à être un peu vexé. On est censé avoir quelques skills quand même. Et là, on n'est même pas foutu de trouver un nom et un prénom d'une personne random. Du coup, on en a fait une affaire personnelle. Et je vous préviens, on est parti loin. Mais ça nous a permis de découvrir des outils dingues dont il fallait absolument que je vous parle. Alors, rappel des conditions de l'exercice. On a à notre disposition un dossier de photos, tout ce qu'il y a de plus classique. On va évidemment flouter ça au maximum, notamment parce que cette vidéo va être analysée par un gardien de la paix de la préfecture de police. Ah, c'est un peu loin à vous expliquer, je vous raconte ça après. Malheureusement, à cause des méthodes qu'on a utilisées pour les extraire des disques durs, la plupart des noms des fichiers et des dossiers originaux ont été perdus. Un premier truc cependant qu'on peut regarder, ce sont les données EXIF des photos. Ce sont des informations en plus qui sont sauvegardées avec des images. On voit par exemple que cette photo a été prise en 2012 et sans flash. Sur Internet, c'est rare qu'on ait accès à ça, car les réseaux sociaux effacent toujours ces infos au moment de publier. Mais nous, on a un disque, donc tout est encore là. Dans ces métadonnées, il peut notamment y avoir des coordonnées GPS. Les smartphones enregistrent souvent ça. Ce serait pas mal pour nous aider à retrouver l'identité du vendeur. On pourrait retrouver son adresse ou son travail, et ensuite fouiller dans les pages jaunes pour avoir son nom. Mais après avoir scanné l'ensemble des images, malheureusement, il n'y a que dalle. L'ensemble des photos et des vidéos ont l'air d'avoir été prises avec un appareil photo. Pas un smartphone. J'en ai quand même profité pour regarder s'il n'y avait pas des détails intéressants sur les photos elles-mêmes. Évidemment, il n'y a aucune photo où il se prend un selfie devant sa résidence principale avec le nom et le numéro de sa rue dans le cadre. Ce serait trop simple. Mais vous allez voir qu'en réalité, c'est loin d'être nécessaire. Je sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de l'acteur Shia LaBeouf et d'un drapeau anti-Trump planté au milieu de la campagne américaine. Aussi improbable que ça puisse paraître, ça ressemble vachement à notre problème. On est en 2017, juste après l'élection de Donald Trump. Shia LaBeouf, un acteur et humoriste américain, décide de diffuser un live protestataire depuis une rue de New York, 24 heures sur 24, pendant 4 ans. Il invite les gens à s'exprimer et à reprendre le slogan du projet. Cependant, après quelques altercations, il est arrêté par la police et la caméra est éteinte pour trouble à l'ordre public. Shia décide alors de remplacer le live par la diffusion d'un simple drapeau avec le slogan imprimé dessus. Sauf que la localisation de ce drapeau est maintenue secrète.
Fin de l'histoire, a priori. Vu le peu d'informations visibles à l'écran, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait retrouver son emplacement, n'est-ce pas ? Eh ben, ce n'est pas l'avis du forum 4chan, dont les membres adorent les chasses au trésor de ce genre. Ils analysent méthodiquement les avions qui traversent le ciel derrière le drapeau, ils surveillent les réseaux sociaux pour suivre les déplacements de l'acteur, et ils sont carrément allés jusqu'à faire de la triangulation avec les étoiles qui étaient visibles la nuit. En moins de 24 heures, ils avaient la position exacte du drapeau au fin fond du Tennessee. Un des membres y va en voiture, klaxonne jusqu'à ce qu'on l'entende dans le live, jusqu'à capturer, comme dans un jeu vidéo, le drapeau, qu'il ne manquera pas de remplacer par une casquette à l'effigie de Trump et un t-shirt Pepe the Frog. Évidemment. Alors moi, je n'ai pas trouvé de photo d'avion dans le ciel, mais il y a peut-être d'autres détails qui pourraient nous aider. Tout d'abord, il y a cette photo avec un superbe coucher de soleil. Peut-être qu'il a pris depuis sa chambre. Les données EXIF indiquent qu'elle a été prise le 9 août 2012 à 20h20. Vous allez peut-être me dire, qu'est-ce que ça peut bien nous foutre ? Eh ben en fait, si on y réfléchit bien, il y a peu d'endroits sur la planète où on voit le soleil juste au-dessus de l'horizon, simultanément. En fait, on peut même tracer une ligne autour du globe avec tous les endroits qui sont actuellement en coucher de soleil. C'est exactement ce que fait un site que j'ai trouvé qui s'appelle SunCalc. À l'origine, il est vachement utilisé par des architectes ou des urbanistes pour voir les mouvements du soleil et des ombres. Sauf que c'est aussi très pratique dans des enquêtes. Regardez, actuellement par exemple, si quelqu'un poste un coucher de soleil sur internet, on sait qu'il est forcément dans cette zone. Et si on modifie la date et l'heure avec notre photo, voilà ce que ça donne. On sait que notre photographe se trouvait probablement par ici. Ensuite, on va pouvoir essayer de recouper ça avec d'autres photos qu'on a extraites du disque dur. Regardez bien celle-ci. Est-ce que vous voyez ce que je vois ? En zoomant, on aperçoit des drapeaux cachés dans le fond. C'est un peu trop pixelisé pour les reconnaître, mais si on les compare avec les drapeaux des quelques pays qu'on a isolés, un seul drapeau a l'air de correspondre, celui du Togo. Pas mal, mais peut-être qu'il nous faudrait un indice supplémentaire. Je suis notamment tombé sur cette photo, où on voit un stade de foot. Et en vrai, il doit pas non plus y en avoir des milliers des gros stades de foot au Togo. Du coup, j'ai littéralement tapé « stade Togo » dans Google Images, et après avoir scrollé un peu, bingo ! Regardez celui-là, c'est parfait. Même horloge, même poteau d'éclairage, c'est sûr, c'est lui. J'étais très content. Mais en vrai, quand on y réfléchit, il y a quand même peu de chances que notre vendeur habite là-bas, à part s'il a fait un aller-retour Togo-Porte de Champéry pour me vendre un disque dur. Peu probable, cette histoire. Bon, pour le moment, on n'a rien trouvé qui permette de relier ces photos avec l'identité de notre mystérieux vendeur. On n'a rien découvert dans les métadonnées, impossible de déduire l'adresse à partir des photos. Je vous épargne les autres tentatives infructueuses qu'on a faites pour essayer de trouver des éléments qui relieraient ces photos à une présence sur Internet. Ce qui est important, c'est que ça nous a amené à considérer une dernière possibilité. Utiliser de la reconnaissance faciale. Vous connaissez peut-être la recherche d'images inversées sur Google. C'est très pratique pour retrouver une photo qui apparaît à d'autres endroits sur Internet, genre pour détecter des arnaques de dropshipping par exemple. Cette fonction de Google intègre notamment de l'intelligence artificielle pour décrire la composition de l'image. Si on fournit une photo de ce monsieur barbu par exemple, il va effectivement retrouver de nombreuses images de messieurs barbus avec une pose et un décor similaire. C'est pas mal. Le problème, c'est que c'est pas le bon barbu. La pose et le décor, en réalité, nous, on s'en fout. Nous, on a besoin de faire de la vraie reconnaissance faciale. Surtout que le vendeur a peut-être changé. Si ça se trouve, il s'est mis à porter des lunettes ou s'est laissé pousser une grosse moustache. Parce que je vous rappelle que les données qu'on a datent de 2012. Alors comment identifier un visage ? Qu'est-ce qui fait l'essence de votre tête, finalement ? Bah, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Intuitivement, on pourrait proposer un système qui fait des mesures de visage un peu partout. Genre la distance entre les deux yeux, entre le nez et la bouche, la hauteur et la largeur du visage, etc. Et on pourrait comparer proportionnellement ces distances avec d'autres visages sur d'autres photos. Et bah dites-vous que ça, c'est exactement ce que faisait la police scientifique dans les années 60, avec une règle et un crayon. Pour démontrer que deux visages appartenaient à la même personne, ils avaient une vingtaine de points de référence qui constituaient une empreinte à peu près unique d'un visage. Le problème de cette approche, c'est que c'est un peu bancal, notamment dès que la personne n'est pas pile de face ou de profil. Heureusement, depuis, on a trouvé beaucoup mieux. En fait, plutôt que faire un listing manuel, le fait de donner énormément d'exemples à un algorithme, c'est lui qui va lui-même faire sa propre sélection de clics en fait. On peut donc entraîner une intelligence artificielle pour qu'elle apprenne d'elle-même à analyser et reconnaître des visages. On va prendre un exemple pour tester si ça marche vraiment si bien. Vous voyez cette photo ? Eh bien malheureusement, j'ai un immense trou de mémoire et je n'arrive plus à me souvenir de qui est cette charmante personne. On va donc essayer de coder un outil pour retrouver son identité sur Internet. La première chose à faire, c'est d'aider l'IA à extraire des détails intéressants de l'image grâce à ce qu'on appelle des filtres de convolution. On peut vraiment voir ça comme le fait de passer différents filtres sur une image, comme si tu essayais de passer un filtre passe haut, passe bas,
que tu essaies d'extraire simplement les angles, les contours ou la granularité de ta peau. Grâce à ce traitement, l'IA va être capable de repérer des détails intéressants dans une image. Ce principe-là, il faut en fait qu'on l'applique à des milliers de photos d'exemples pour que l'IA apprenne petit à petit à différencier un visage d'un autre. En pratique, il existe en fait une infinité de façons d'entraîner une IA à analyser des images. Donc il faut choisir la méthode la plus adaptée à notre problème de reconnaissance faciale. Je réfléchis, en fait, dans votre cas particulier, la triplet loss, c'est vraiment un truc qui prête le plus. L'idée de la triplet loss, c'est de fournir à une IA des séries de 3 images, avec à chaque fois un visage déjà connu, une autre photo de la même personne et quelqu'un d'autre qui ne lui ressemble pas du tout. De cette manière, notre algorithme va apprendre à trouver des similitudes entre les visages qui se ressemblent et à l'inverse, à bien distinguer ceux qui sont différents. Pour gagner du temps, j'ai trouvé un modèle d'IA qui a déjà été entraîné de cette manière. J'ai fait un petit script pour importer ça et lui donner des images à analyser et avec la photo qu'on cherche à identifier, voilà ce qu'on obtient. Bon. D'accord, c'est parfaitement incompréhensible et pas vraiment ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais pour l'IA, ce sont 128 valeurs qui représentent en fait les traits uniques du visage. C'est une sorte d'empreinte digitale unique qui permet d'identifier la personne, mais que nous, on comprend pas du tout. À partir de ça, pour savoir s'il s'agit du même visage sur une autre photo, il suffit de générer cette empreinte et de les comparer. Si les deux vecteurs sont mathématiquement suffisamment proches, c'est que c'est la même personne. Et si on prend les visages de 10 000 célébrités pour voir si on peut y retrouver notre mystérieux personnage, ça ressemble à ça. Ou alors il y a des photos de différentes personnalités bien rangées dans des dossiers avec leur nom et leur visage. On calcule toutes les signatures, on les compare avec notre photo et tada ! Il s'appelle DiCaprio. C'est moi, wesh. Ah, vous en bouche un coin, hein. Évidemment, c'est une forte simplification de la réalité, puisque comme dans tous les modèles de deep learning, sa qualité dépend directement de la qualité du corpus de données qui a servi à l'entraînement. Ici, on a notamment veillé à ce que DiCaprio apparaisse bien dans l'échantillon d'entraînement et que notre photo ait été prise dans des conditions d'éclairage similaires à l'original. Pour faire la même chose à l'échelle d'un pays ou du monde entier, c'est une autre paire de manches. Et pendant très longtemps, c'était extrêmement coûteux et réservé à un cercle assez restreint, des agences gouvernementales ou des entreprises privées qui donnaient accès à leur technologie que pour des usages très restreints, enquêtes judiciaires, antiterrorisme, recherche de personnes disparues, etc. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. L'invention des réseaux à convolution, dont on a déjà parlé, qui permettent aux IA de déterminer elles-mêmes les attributs des visages, mais également d'immenses compétitions ouvertes, comme le ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, qui ont motivé les chercheurs à perfectionner encore et toujours les modèles. Si bien qu'on a vu des avancées majeures dans le monde académique pour identifier un visage malgré les changements de luminosité, l'occlusion et les situations extrêmes. Il y a aussi eu la création de datasets gigantesques comme Labeled Faced in the Wild ou MS Celebs 1M qui contiennent plus de 10 millions de photos labellisées. Et enfin, et ce n'est pas négligeable, on a assisté à une amélioration phénoménale de la puissance de calcul des GPU et à l'apparition de puces qui sont conçues spécifiquement pour le machine learning. Tellement que, en tenant compte des nombreuses améliorations logicielles qui ont aussi eu lieu, le coût d'entraînement des IA diminue actuellement 50 fois plus rapidement que la loi de Moore. Les services américains proches du gouvernement restent encore probablement les plus performants, notamment le terrifiant Clearview AI qui aurait plus de 3 milliards de photos dans sa base de données. Base de données qui leur a valu une amende de 20 millions d'euros pour violation du RGPD il y a quelques mois, mais qui sert probablement actuellement à décorer le bureau du CEO étant donné qu'ils n'ont ni clients ni structure juridique en Europe. Cependant, beaucoup d'autres services sont développés en parallèle qui sont eux extrêmement faciles d'accès et donnent à n'importe qui, comme vous et moi, des outils comparables aux plus grandes agences d'espionnage. Et vous allez voir, c'est probablement encore plus terrifiant en fait. Le plus connu de ces nouveaux moteurs de recherche de visage s'appelle PIMEYES, pour Picture Matching Eyes. Il a été créé en 2017 par deux Polonais, alors étudiants en informatique. Malgré la jeunesse du projet et de leur créateur, ils obtiennent très vite des résultats impressionnants. Pourtant, ils n'ont pas d'accès privilégié à des bases de données biométriques du gouvernement. Leur secret, ils ont compris que pour constituer une base de données monumentale de visages, il suffisait de se pencher et d'utiliser les mêmes outils que les moteurs de recherche pour scanner constamment Internet et les réseaux sociaux. Dès que leur robot crawler
croise ce qui ressemble à un visage sur une photo, il l'analyse et stocke l'empreinte mathématique dont on parlait tout à l'heure. Ces robots sont tellement partout que si vous avez un site, il est fort probable que vous puissiez les voir passer régulièrement dans vos logs. L'outil est déconcertant de facilité. Vous glissez une photo, il l'analyse et il vous donne l'ensemble des URL sur lesquelles un visage similaire a été détecté. Alors, il y a parfois des faux positifs et il n'y a pas tant de résultats que ça qui viennent des réseaux sociaux. Mais franchement, la première fois que vous l'essayez, c'est terrifiant. Il m'a ressorti des dossiers dont je ne connaissais même pas l'existence. Et si on lui fournit l'image de notre mystérieux vendeur, bingo. Oh non 2007 Alors, peut-être que tant de joie juste pour avoir retrouvé un vieux skyblock d'un inconnu, ça vous paraît un peu disproportionné. Mais si on y réfléchit une seconde, c'est quand même complètement fou. Ce skyblock random ne contient que des photos et des blagues gênants. On n'y trouve aucun nom de famille, aucun élément distinctif pour faire des corrélations. La seule chose qui a permis de le retrouver, c'est une photo un peu floue et pas bien cadrée, sur laquelle son visage apparaît. Point barre. Il est absolument impossible de trouver cet endroit avec Google. Ce qui fait que, selon toute probabilité, son auteur lui-même a complètement oublié son existence. On peut donc en déduire deux choses. Déjà, si nous on peut faire ça avec des images d'internet, imaginez la gueule des outils actuels des gouvernements, avec toutes les données supplémentaires qu'ils peuvent obtenir. Ensuite, il faut se rendre à l'évidence, on ne peut plus considérer qu'on évolue encore dans l'internet d'avant. Le temps où un simple pseudo vous garantissait d'être à peu près tranquille est définitivement révolu. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement d'une histoire de faire attention aux photos que vous publiez, sachez que ça va en fait bien plus loin que ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Andrés Viola ? C'est un pédocriminel argentin dont l'arrestation est particulièrement fascinante et donne un goût très réel à ces histoires de science-fiction. En 2019, le FBI investigue sur son cas. Ils n'ont comme élément d'enquête que quelques images trouvées sur le dark web montrant une enfant victime d'abus sexuels. La base de données du FBI ne donne rien de ces photos, mais l'enquêteur a l'idée d'utiliser Clearview AI et il obtient un résultat. Est-ce que son permis de conduire a été scanné quelque part ? Est-ce qu'il a eu la mauvaise idée de mettre sa tête sur les réseaux sociaux ? Eh ben, même pas. C'est un couple de sportifs qui a posté un selfie dans une salle de sport près de Las Vegas. Et ils l'ont pris par mégarde en arrière-plan. Un pur hasard. Le FBI se rend sur place et réalise qu'il s'agit bien du bon gars. Il remonte le fil via son Facebook et l'arrête. À mon avis, il a dû être bien surpris. Surpris car il n'y a pas eu besoin qu'il fasse d'erreur. Pas eu besoin qu'il soit filmé par des caméras de surveillance ou contrôlé par la police. Il a juste été attrapé par l'une des milliards de petites caméras qui aujourd'hui filment, diffusent tout le temps et partout. Et du coup, la raison pour laquelle cette vidéo va très probablement être scrutée par la préfecture de police, c'est que suite à notre première vidéo sur les disques durs, on s'est pris un petit coup de pression par le propriétaire du disque dur qu'on avait acheté. En fait, vu que nous on avait tout flouté à fond, on s'était pas imaginé une seconde que ça pouvait poser problème. Mais à mon avis, quand il a réalisé qu'il avait des données clients dans la nature, il a eu un petit coup de stress et préventivement, il a instantanément escaladé le truc. Du coup, j'ai eu un petit coup de fil de la police. Voilà, pas extrêmement rassurant. Au final, il n'y aura pas de problème et c'est pas très utile parce que évidemment, on détruit toujours les données qu'on trouve. Pour finir, je vous propose de prendre une habitude très simple après cette vidéo grâce à une fonction très peu connue de Proton qui s'appelle Simple Login. On a parlé de traçage par visage, mais en réalité, avant ça, il y a quelque chose d'encore plus dévastateur. C'est le traçage par email. Le fait d'avoir un mail, un identifiant unique que vous utilisez partout, c'est le meilleur moyen pour les data brokers de vous pister à la trace et de faire des corrélations. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que les cybercriminels se font démasquer. Avec Simple Login, vous pouvez inventer une adresse mail, genre n'importe quand, qui sera valide. C'est un peu comme le proxy Apple, mais encore plus puissant et moins fermé, évidemment. Il y a une variante qui consiste à mettre plus quelque chose à la fin de son mail, mais ça marche pas tout le coup. Je vous laisse voir ça dans la description, et nous, on se dit à très bientôt.